Il y a des gamers dans la salle Ça vous est déjà arrivé de perdre une partie à cause d'un jeu qui rame Pour les autres, vous avez sûrement déjà eu une visio qui saccade ou une image qui se fige. C'est rageant, hein C'est un problème de latence. La latence, c'est le temps que met une information à traverser les fils d'attente des équipements réseau qui composent l'Internet. La latence, c'est quand les tuyaux sont bouchés. Ça s'appelle la congestion. Ma thèse garantit et sécurise les services basse latence sur Internet, même en cas d'anomalie ou d'attaque, grâce à une nouvelle technologie de surveillance. Aujourd'hui, on développe des moyens de prévenir les utilisateurs de la fluidité du réseau. Grâce à cela, ils peuvent mieux coopérer pour ajuster leur utilisation du réseau en fonction du degré réel de sévérité de la congestion. Souvenez-vous, c'est quand les tuyaux sont bouchés. Ces avancées permettent d'imaginer de nouveaux usages d'Internet plus proches de la perception humaine. Les exigences de délai peuvent aller de la dizaine de millisecondes pour du contenu vidéo en direct à la centaine de microsecondes pour les interactions entre machines. Mais le problème, c'est que la téléchirurgie, une voiture qui se conduit toute seule, il suffit de peu de choses. Une petite charge de trafic, une dizaine de millisecondes de retard et paf Cela peut être fatal. Contre ça, nous avons besoin de développer des moyens de surveiller le réseau de la manière la plus précise et la plus fine possible, sans ajouter de, de délai. Car le problème, c'est que si ce travail supplémentaire ajoute de la latence, eh bien on n'est pas sorti du sable. Pour relever ces défis, je me suis mis tout d'abord dans la peau de l'attaquant en développant une attaque réseau qui vise à injecter de la latence chez les autres utilisateurs. Puis j'ai observé et étudié ces impacts grâce à une nouvelle technologie de surveillance non intrusive qui permet d'ajouter de, des données transportées, sans ajouter de délai. Pour la détection, je regarde ce qui se passe quand tout va bien sur le réseau pour en extraire des comportements généraux. Puis, je soustrais ces comportements généraux euh, des observations que je fais en temps réel. Ça permet de révéler ce qui sort de l'ordinaire en filtrant le bruit de fond qui nous empêche de bien voir ce qui se passe. Et ça marche plutôt bien. Pour valider mes résultats, j'ai lancé une session de jeu sur une plateforme de Cloud Gaming. Mon attaque est venue perturber le jeu, et lorsque j'ai lancé la détection, j'ai constaté des temps de réponse de l'ordre de la dizaine de millisecondes, complètement imperceptibles à l'utilisateur. Voilà à quoi ressemble la sécurité des services basse latence sur Internet. On est bien plus un plombier qui cherche à fluidifier la tuyauterie qu'un enquêteur parano qui surveille tout ce qui bouge.